Bonjour, nous allons vous présenter des produits RD pour nettoyer une Ioniq 5. Elle n'est pas vieille. On prend du produit à pneus, on met ça sur les moulures à l'intérieur. Il y a des moulures à l'intérieur des portes quand même bien faites. Ça va faire, je vois ça. Ensuite de ça, on prend le boyau et on enroule ça. C'est tout. On pourrait l'étendre avec une éponge si on veut. Mais je trouve que ça va bien comme ça. Là. Puis quand on y pense, on peut mettre du dry PRD sur après qu'on a fini les moulures. Ici, on a un spray à l'extérieur, on a quand même une grosse bande de moulures. Puis on rince à l'eau. Si le produit à pneu revole sa peinture, il n'en restera pas. Là. Ici, on fait les moulures extérieures, le pneu. Encore une autre fois, si ça revole sur une maille, c'est pas grave. C'est un beau produit, ce produit-là. Ici, mais on arrose après. Quand on a fini le produit à pneu, on arrose. On n'est pas obligé, mais ça n'empêche que après le pneu, le produit ne revolera pas sur votre peinture. Ici, on prend du dégraisseur pour nettoyer les mags. On prend un pinceau, ça va bien. Un pinceau à peu près de 2 pouces et demi, je pense. On se fait bien, ça rentre partout. Puis, ça fait l'entretien du mag. Puis, tantôt, on va mettre du dry PRD sur le mag pour qu'il reste beau plus longtemps pour que la poussière de frein colle moins. On rince ça. On fait notre savon pour laver l'auto. Moi, je prends du dégraisseur ou du RD mouche. Ça fait une belle boue, puis ça lave. Puis ça se rince bien. Comme là, je mouille la voiture. Je prends mon savon, puis là, je le lave. C'est certain qu'on va finir de laver l'auto complet, mais c'est une démonstration qu'on vous fait. On ne peut pas passer une demi-heure à laver l'auto pour vous montrer comment. Fait qu'on peut passer le savon sur les bordures noires, ils vont rester belles pareil. On rince ça comme il faut. Pour pas qu'il reste de savon. Puis ça se rince bien, il n'y a quasiment pas de savon sur la peinture. Ensuite, on va prendre du dry PRD. C'est un produit qui va cirer l'auto en même temps, qui va faire un traitement de vitre dans le voiture en avant. Puis l'avantage, c'est qu'on le spray dessus, sur les bordures noires, dans les vitres, puis on peut mettre ça dans la douche aussi, puis sur des pneus, des mailles, puis on rince ça, puis c'est tout. La nouvelle technologie. On rince ça comme pour, il ne faut pas qu'il en reste. Il faut tout descendre. Plus ça va être fait, bien moins qu'on va avoir des sueurs à faire. Après ça, bien, on attend que c'est quasiment sec, qu'on passe un linge humide. C'est fini. C'était les produits RD avec une belle Ioniq 9.